Bien le bonjour les amis, pour une fois une vidéo bricole time. C'est pas souvent parce qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas vraiment d'endroit pour le faire. Mais si vous suivez Instagram, et suivez Instagram parce qu'il y a plein de choses encore une fois que je montre en story sur Instagram, des trucs de tous les jours de Movie Car Central que je peux pas juste mettre sur YouTube parce que ça dure 10 secondes et c'est pas, tu fais pas une vidéo d'une demi-heure avec. Mais si vous voulez des nouvelles vraiment en temps réel de ce qu'on fait à Movie Car Central et pas en décalé comme sur YouTube, réellement suivez-moi Frank My Life sur Instagram. Lévo, on s'est fait braquer l'autoradio il y a quelques mois de ça maintenant par bon voilà des gens peu bien intentionnés, voire même mal intentionnés. Et ils nous ont donc pété la vitre quarter panel arrière là, tu vois, le petit logo Recaro qui est encore là. Et bah bientôt il sera plus là. Ils ont pété ça, ils ont ouvert, il y a encore les traces du sinistre ici. Et surtout, là où je suis vénère, mais ça, on verra comment on fait, je sais pas encore. Donc, ils ont arraché l'autoradio, qui est même pas celui du film, mais qui vaut littéralement 60 balles. Ils ont arraché tout, mais au pied de biche, quoi. C'est-à-dire que ça, ils l'ont enlevé. Donc là, je l'ai remis, c'est pour ça que ça a pas l'air si pourri que ça. Mais vous voyez comment ils ont forcé sur le tableau de bord pour pouvoir arracher cette autoradio. Donc, je suis vraiment énervé. Et ils ont niqué ça. Sachant que ça avait été repeint exprès pour le film d'origine, c'est bleu sur les Evo ça. Donc ça avait été peint, toutes ces pièces-là ont été peintes exprès pour le film. On peut le voir ici d'ailleurs. Vous voyez que c'est noir et qu'il y a, le brouillard de peinture qui a été un peu jusqu'au fond, mais pas tout à fait. Donc voilà, tout ça, ça a été peint en gris pour le film exprès. Et ils nous ont niqué ça là. Donc on va être obligé de repeindre cette petite pièce. Et pour le tableau de bord, là, à part changer le tableau de bord, mais ce qui fait chier parce qu'on a les signatures dessus, et qu'il y a encore les trous des accessoires du film, je sais pas quoi faire. Si vous connaissez des gens qui savent faire de la restauration, genre, mais honnêtement, je vois pas. Peut-être qu'on peut camoufler un peu la misère, mais je pense pas qu'on arrivera à réparer complètement ça. Et j'enlève pas ça parce que je veux pas vous montrer la misère, mais derrière, vous voyez, les pattes en métal, là, ils ont tout arraché. Donc il faudrait même qu'on change complètement le cadre autoradio à l'intérieur. Donc un peu de boulot si on veut refaire les choses propres. Ouais, j'ai montré Recaro, il a disparu. Il est là. Il est là. Et donc aujourd'hui, surtout, ce qu'on veut faire, c'est changer la vitre arrière, parce que ça fait moche quand même. On a un aspirateur qui traîne, je sais pas où, donc on aspirera un peu ce qui reste là. Et c'est vraiment triste, parce que c'est une de nos voitures les plus... qui a le plus de valeur, que ce soit sentimentale ou monétaire. Donc, ça fait bien chier, quoi, hein. Toi, tu l'as pas vu encore. Toi, tu découvres. Recaro, là. Ah bah Recaro. Recaro. Alors c'est pas du verre sécurité, hein, ça pique. Il nous a cassé le Recaro. Ah ouais, regarde, ça saigne en direct là. Il y a du sang. Attends, t'as un bout dedans là. Ouais, attends. Je coupe. Le 806 d'assistance, il est là. Là, t'as une vis HAL. T'as des vis HAL. Ah ouais, il y a même plus les caches. Donc, ce qui est d'autant plus triste, qu'on vous rappelle, cette voiture, quand on l'a achetée, elle avait 5000 miles, hein, c'est ça? Genre, elle avait 7000 km. Je sais plus. Vidéos du... Ouais, on a fait une vidéo road trip, faudra regarder. Et ça date. Hein. Et bon, bref, elle était neuve, quoi. C'est sûrement une des Evo, comme quand on a acheté la 406 de taxi, qui avait 500 km au compteur. C'est une des Evo qui a le moins de bornes au monde, certainement. Et donc c'est d'autant plus chiant qu'on se soit fait abîmer, puisque le tableau de bord il était vraiment vraiment nickel, quoi, genre rien d'abîmé. C'est assez désespérant quand même, vraiment. Je suis vraiment pas content. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire un tuto sur comment on change un bout de carreau sur une Evo. Ça peut toujours servir. Nous-mêmes, on va se servir d'un tuto qu'on a vu fait par des ricains. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Allez-y. Geoffrey. Donc lui, c'est pas critère. Je pense qu'on peut enlever ce joint. Vas-y. On va remettre la... Ah, il est mou, lui. Ouais, c'est mou. Mais on est d'accord que sur la vidéo qu'on a vue... Genre, Non, mais sur la vidéo qu'on a vue, il y avait un truc dur à cet endroit-là. Les autres man, ils avaient une espèce de cadre. Non, mais c'est ça qui est dur. Tu vois, il y a une vis sous le joint là. Ouais, mais ils avaient l'air d'avoir un cadre dans dur le film, autour de ça. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas l'extraction du Recaro. J'ai pas envie que les bouts de Recaro niquent la peinture. De une. Ni qu'ils tombent dans le.
dans la fenêtre. C'est pour ça que tu touches pas. Attends, j'enlève au fur et à mesure. Sinon, tu voulais pas enlever les bouts de verre avant d'enlever le joint? C'est une option. Hein. Parce que là, ça va tomber dedans. Attends, bouge pas. Bouge pas. Moi, j'aurais enlevé tout avant de... Ouais. Ah si, c'est là le bout. D'accord. C'est bon, il y a presque rien qui est tombé dedans. C'est bon. C'est bon. Bricole time. Alors, comme les recettes de Maïté, avant de travailler, il faut bien nettoyer son plan de travail. Bon appétit, bien sûr. Faut pas péter le truc. Et là, vous faites quoi, non? Ben là, j'enlève un cache. Attends. C'est... Regarde, je n'ai pas d'ongles. Avec des ongles, vous pouvez voilà. Démonter des choses sans les abîmer. Achetez des ongles. Achetez des ongles et mangez-en, c'est bon. Ah, lui, il avait la petite protection encore. Ouais, elle est belle, cette vis. Elle est belle, la vis. La movie card. Regardez cet outil qui a cramé dans le coffre de la 407 pendant le gumball, mais il nous sert encore. Ça fait un peu mal à la main, du coup, mais c'est un peu saillant. Et ça sert. Ah, du coup, je l'ai déclenché, mais en mode dévissage. Il y a des trucs à enlever en bas d'avant, je crois. Ouais. Il commençait en bas et finissait en le remontant. Attends. Ah non, il faut, il y a des clips là. Attends, tiens, ça y est. Ah putain, mais c'est des beaux clips. Attends. Vas-y, change de. Je vais tenter le déclipsage. Sans péter. Ah. C'est bon. Faut mettre du couple dans les ongles. Ah. Sans péter quoi que ce soit. Non mais tu sais que c'est quand tu dis ça que tu pètes un truc. Ouais, juste à ce moment-là, ça force un peu. Il y a encore un lui là. Tu le vois ou pas? Ah là, je le vois. Il est là. Ouh, c'est bon. Ça, ça pète comme du verre. Pas le lever là? Non, ça force un peu. On ne regarderait pas si on peut oublier un truc. Hein. Il sort, mais on dirait qu'il y a un truc qui tient au milieu. Alors, c'est très dur, on n'ose pas trop forcer pour pas péter un truc. Donc, on a rematé le tutoriel. On vous laisse admirer comment le mec il fait. Voilà. Oh. So after that you're gonna need to remove three screws. Remove three screws. Two. Three. Three on the side. Voilà. Remove those three. Attention, ça va aller très vite. Pull your panel. One. One. Le mec. Si t'as besoin, il y a des fils là. Super simple. Super simple. Mais lui, c'est pas un niveau à des millions d'euros. Lui, c'est un lanceur de balles. Sauf que c'est la même porte. Bon, on va tenter. Hein. Vas-y. One. Vas-y. Two. Vas-y, je vais faire. Plain to you. One. Two. Three. Il y avait là, plus là. Il y en a encore un. Mais non, il y a rien là. Ah, si, il y avait un. Ah, il y a encore un truc qui bloque au milieu, tu vois. Ouais. Attends, vas-y, fais voir. Pull the panel. Tire, tu tirais bien dessus là. Attends, je vais claquer mon genou là. Pull the panel. Pull the panel de Paul Walker. Je crois qu'il y en a un là. Là. Ah non, c'était la vis. Et donc lui, il tire droit, genre il tire pas vers le haut quoi. Le mec, ça fait des craques et ça fait des bruits. C'est pas bon hein. Tu vois quelque chose là-dedans?
Là, logiquement, ça, ça vient. Ah oui, ah, d'accord, il faut aller vers le haut, c'est ça. Ah, tu filmes ? Il y a un truc au milieu qui le tient, je crois. Ouais, oui. Bah, mec, tu sais ce que c'est la poignée de porte. Et lui ? Ah, ça vient doucement. Par contre, je vais niquer la poignée là. Je vais niquer ça. Ça n'est pas la fermer peut-être ? Non, mais j'aimerais bien enlever lui. Voilà. Lui, il est du movie, tu vois. Ouais. Voilà, encore une pièce peinte magnifiquement pour Fast and Furious 2, qui était noire d'origine. Et là, on voit bien, vous savez, qu'on a la preuve que la caisse est bien bleue en dessous, quoi. Parce qu'il y a des... Ouf. Ouais, bah oui, mais il n'y a plus la vis. C'est vraiment... You pull the panel ! Tiens, lui, là aussi, il vient tout seul, là. Non. Attends, je reviens comment ça fout. Ça sent le pétage de trucs. Après, on n'a peut-être pas besoin, hein, si on arrive à le faire comme l'autre man, là. Il y a une... Ah, il y a une vis, là. On va voir s'il y a... Une vis, là. C'est ça. Une vis, là, enlevée. Ah, tu veux pas tout enlever, du coup, vu qu'on a baissé la fenêtre, c'est ça? Ah ouais, attends, parce que là, on a accès, là. Ouais, faut enlever la vis qui est là. Oui, c'est juste elle. Et elle. Là. Ouais, bon, on l'enlève avec un truc plat. Ça se fait chier. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'a pas besoin de démonter tout le panneau. Ah, bah de toute façon, j'ai réussi. Poule de panneau. Il est fort. Il n'y a pas besoin d'enlever le panneau. Non. C'est toujours pareil, de toute façon. C'est quand on n'a plus besoin qu'on y arrive. C'est bleu. C'est bleu et jaune. Hein. C'est beau. Et du coup, est-ce qu'ils ont peint? Ouais, ils ont quand même démonté les panneaux de porte avant de peindre, je pense. Ouais, c'est pas... bah ouais, c'est peint là. La vraie du film, qui comporte son lot de mystères, mais c'est quand même la vraie du film. Voilà. Attends, j'ai des petits trucs là. C'est du... Mais non, c'est de la vis. Ah non. Les japonais, c'est toujours du 10 en général. Du... Ça a l'air d'être du 10. Ouais. Voilà, c'est japonais, c'est du 10. Regarde cet outil, mon gars. Le clic est plat. C'est tellement bien. Donc là, je veux dévisser. Donc c'est ça. Tu kifferais faire de la mécanique? Mais genre, si on avait du temps pour faire ça, ce serait tellement bien. Genre des journées entières où on a que ça à faire. Pas comme aujourd'hui où on court entre ça, une émission chez Webedia, aller chercher un toit de Supra, aller récupérer des meubles chez un pote. Voilà, la journée typique de Mouicar Central, il y a 8 trucs à faire. Les problèmes de Galieg, tu vois. T'as des Supra à faire, tu vois, t'as des Evo. Sauf que d'habitude, Galieg est tout seul. Voilà. Du coup, là, on joue aux voitures. Non, mais je kiffe, là. J'aime bien. Tu kiffes. Ouais. C'est en plan large, je suis vraiment de pas là. C'est planqué. Voilà, donc ça maintenant ça bouge. Ça zigote. Attends, vas-y, mais moi j'ai envie de faire des trucs aussi. Toi aussi, tu veux enlever ton ta vis. Ouais, déjà. Je... Oula, attends, il y a un bout de caméra qui est sale ou c'est. Non, c'est mon écran. C'est qui? Ah non, c'est la caméra qui est sale. Alors, ça, vous le verrez pas sur les autres chaînes par exemple, vous voyez. Ça, c'est l'exclusivité chez nous. Puis en plus, vous avez une skyline derrière. Un petit Tournevici. Tournevici. Ah non, avec la peinture jaune d'origine, ça vient tout seul. Oui. C'est beau. Alors, la moitié des plans de cette vidéo sont faits en 4K. Trouvez lesquels sont en 4K et vous me direz si ça vaut la peine qu'on filme tout en 4K. Il y a lui là. Lui, il faut l'enlever un peu. On enlève ceux qui matent sur des écrans de ouf. Ouais, ils kiffent quand c'est en 4K. Qui détestent notre chaîne. Notre son, notre qualité de son exceptionnelle. Et de vidéo. Mais c'est tombé là. Attends, mais non, c'est pas tombé. Mais oui, ça bouge. On peut le virer complet. Ah oui. T'avais raison. C'est ça l'idée. Ah non, t'as vu la longueur qu'il fait ou pas? En fait, lui, il a. Ah la... oui, il guide là. Lui, il guide lui. Ouais. Donc non, vaut mieux pas l'enlever ouais, parce voilà, que. On va le laisser. On va sortir la pièce de résistance. En même temps, j'ai envie de l'enlever. Mais ça ne sert à rien. Bah si, t'as vu comment il galère, même en le poussant un peu. On va essayer comme ça, et s'il faut l'enlever, attends. On l'enlèvera. Ah, comme d'hab, on n'a pas assez de mains pour tout voilà, faire. C'est quoi ça? Quoi?
c'est du... C'est rayé ? Oh non. Ah non, c'est sale. Vas-y, enlève ton sticker là. Bah non, tu vas voir qu'il va. Mais attends, ça va nous faire un sticker dégueulasse. Bah oui, non, mais c'est pire. Attends, c'est le bon côté. Ouais, parce que c'est bombé. C'est bombé là. Bombé, bombé là. C'est le glow et le bombé. Tiens, vas-y, je te vais faire ça. Ça, tu peux dire, t'as fait un truc. Déjà, il a acheté la vitre. En ouais. plus, il est je l'ai amené. Il m'a fait chier pour qu'on le fasse parce que moi, je l'aurais pas fait. Il y a un régalé qui va dire que c'est de ma faute. Sur vidéo, elles sont belles. Hein. Limite, je préfère la regarder dans l'écran qu'en vrai. Quoi. Les couleurs de l'iPhone sont très belles. Arrêtez de dire que c'est de la merde de filmer l'iPhone. En vrai, ça stabilise bien, ça fait de la belle image. Mais si je vous le disais pas, je pourrais vous faire croire que c'est un A7S ou un machin. Hein. Vous savez pas. Je peux pas savoir. A7S. Et Sony. Les appareils photo de Sony. Ça se passe bien. Moi j'ai une question, c'est est-ce film là. Est-ce que c'est, bah, je te filme. Est-ce qu'elle est teintée comme les autres vitres ou est-ce qu'on va voir une différence de batte? Eh. One, two, rien. Three. Je fais un truc qui marche. Three steps, easy. Tu veux pas le faire en anglais pour que le I monde did entier. The thing. Tu... Eh hey, mec, pourquoi on l'a pas filmé en anglais? We swap Paul Walker's rear quarter window. Et là des millions de vues mon gars. La France, c'est trop petit pour nous. On rigole, hein, là je sens les mecs qui en font. Je me désabonne, les Français, c'est grâce à nous que t'en es là. Comment t'oses dire ça? Vrai, hein. Bah oui, on sait c'est que c'est grâce à vous. On a fait en synchro. À mon avis, attends, il faut le je remettre. Te laisse faire. De toute façon, c'est plus ta caisse que la mienne au final. C'est vrai. Donc si tu pètes un truc, je peux pas être vénère, c'est pas ma caisse. Quand même un peu quoi. Là, c'est... déjà, c'est bien parti là. Ça, tu vois, ça c'est eux là, quand ils ont pété la fenêtre qu'on niquait ça. Ces gros connards. Quelle bande de connards. Tout ça pour un autoradio à 60 euros, ça m'énerve. Ouais. Et là, il putain, était mais, cool là, je me rappelle du road trip, on matait le movie. Ouais. Eh putain, mec, t'as fait ça bien. Hein. Je fais un truc. Ouais, ça a presque l'air d'avoir marché. On a un ça peu marche, so far. On a un peu rayé ça là, mais c'est pas grave. C'est pas moi ça. Ça là, bah, quand on a frotté en le sortant, non. Non, mais ça sent pas trop. Attends, c'est bien. Il est bien mis là ou quoi? Ah bah voilà, elle est réparée, comme neuve. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un autoradio. Et en avant Guingamp. Eh, mais on a un autoradio en rap de la Skyline. Alors, où est-ce qu'il est? Ouais. Sauf que le problème, c'est que là, ils ont tout pété dedans, comme je disais. Mais il faut un truc tuning d'époque, quand même. Mais c'est un truc tuning de la Skyline. Mais là, ils l'ont un peu trop niqué, je pense, pour que ce soit... Là, si je mets l'autoradio, il tiendra pas, quoi. Attends, je vais faire un truc, là. Attends, j'arrive, du coup. Putain, c'est tout dégueu, là. Faut vraiment qu'on lui paye un detailing à cette caisse, parce que... Ça me plaît. Ah, je viens de mettre ma main toute sale, là. Ah. Oh, la poussière. Ouais, detailing. Un truc qui me plaît pas Disney. Là. Si tu veux être sûr, tu fermes la fenêtre et du coup, ça va la mettre en place. Hein. Ah, tu sais ce qu'on a fait comme connerie? Quoi? Ce que j'ai fait comme connerie? Quoi? C'est que la fenêtre, là, elle est plus dedans. Oh non. Voilà. Et moi, je t'ai laissé. Ouais, faire. Non, mais je m'en rends compte avant de faire la connerie jusqu'au bout. Parce que là, tu remontes la fenêtre. C'est... La voiture, elle crie là. Attends, non, mais attends, il y a peut-être moyen, non? C'est pour ça qu'il est pas bien. Je me disais, il est bizarre. Il est pas bien aligné. Et du coup, faut tout défaire, quoi. Non, je pense pas. Faut juste bidouiller un peu quoi. Il est plus dedans. La toile de ficelle. Ouais. Vu. Je l'avais pas vu. Bon bah vous avez rien vu mais il a réussi. On a rien filmé. Alors voilà. Là ça fait un petit ça clic qui clic. Sentait bien là. Bien voilà, bien. Voilà, il est bien aligné. Bien en face. C'est beau. Avec ton gros ventre. T'as pas faim. J'ai mis ça là. Mais... T'as pas faim. Commentez ceux qui connaissent la vidéo de John Malkovich et Gérard ouais. Depardieu. La vidéo de sur son quoi, moto. Nous. Il est arrivé avec un plateau de viande. Il m'a dit, t'as pas faim? Cherchez dit, cette vidéo. Viens, on mange. Je lui ai dit, mais j'ai déjà mangé. Oh, putain. Fais pas ta grand-mère. On a bu, on a bu, on a bu. Là, il m'a dit, tu connais pas Johnny?
Alors je lui dis, non, je ne connais pas Johnny. On y va. Il est où ton clic là? Et ta vis? Là, le clic. La vis, elle est là. Le clic, il est là. Vas-y, filme, c'est moi qui finis. C'est ta vis. C'est ma vis. It's my life. It's my vis. Ah, par contre, c'est plus drôle avant. I'm gonna vis forever. Les vis infinies, ça existe en plus. Comment je fais pour être sûr que je suis en face là? Bah, s'il le prend, c'est qu'il est bien. S'il le prend pas. Attends. Il me met ça dans la tronche, je vois plus rien du tout. Mais si tu vois. Non, non, je suis pas dedans là. Comment c'est branlé cette histoire? Si, si, si. Oh non, non, attends, le plastique il est tout décollé, c'est nickel. Non, c'est normal. Non. J'ai vu ça sur des vidéos, c'est normal. Bah, normalement, il doit être collé. Vas-y, roule ta vis là. Roule ta vis. Non, mais on voit pas parce qu'on n'a pas démonté. Non, mais je l'ai regardé, il est là. On n'a pas démonté le panel. Du coup, on voit pas en face de où on est. Non, t'es très bien. Mais il est là le truc. Oui. Il faut le faire droit. Non, vas-y, je fais. C'est ma vis. Laisse-moi ma vis. It's my vis. Ah. T'as réussi? J'ai réussi. Come for it. Non. Merci trop. Mec, tu... C'est grave. Bon, on va pas être obligé de forcer là. Là, je dois forcer pour le tourner. Mais non, mais j'ai déjà fait quelques tours là. À la main. Ça passe. Avec ta petite huppette de... Le dessin animé. Alors là, faut le caler encore bien comme ça. Ou alors le laisser un peu libre. Quelle est la vérité? Je pense que la vérité, c'est peut-être de fermer la fenêtre et de checker, non? C'est ce que j'allais dire. Avant de serrer à fond. La vérité est ailleurs. Et la clé est dans ta poche. La vérité est ailleurs. X-Files. Ça va, pas trop niquer ce truc. Et bon. Vas-y. Ferme. Et là, on écoute bien. Bien sale la fenêtre. C'est beau. Ouais. On a fini un truc. Enfin non, maintenant faut tourner. Ouais, je la redescends. One, two. Non, pas bon. Non, au contraire, elle descend là. Non, mais je préfère qu'on... Ben non, là, ça risque d'avoir bougé. Ah, c'est déjà pour le fermer. Ouais. Là, il est en haut, t'as serré à fond aussi. Ouais. Là, j'ai serré... Okay. Lui, il est bien. Ouais, il était comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Attends, faut recaler le joint. Tiens ça. Le joint. Ouais. Ah, j'ai sorti un peu, là. Il est décalé, là. Je l'ai juste sorti autour de la vis. Décalé. Il faudrait un outil là. Une machine outil. Un lui. Pour faire doucement. Hein. Ouais. Ce n'est pas la peinture. Elle est neuve là, la peinture. C'est pas bon. Ça fait donc 15 minutes que vous me regardez changer une vitre de fenêtre. Bienvenue, vous êtes bien chez Movie Car Central. Et après, on va laver des voitures. Des fois, on fait des trucs de ouf. Ça aussi, vous aimez. T'as une vidéo de 2 minutes 30. Voilà. Et là, on fait un truc. Et là, on met un joint. Et t'as 2 minutes 30 aussi. Deux joints. 2 minutes. Alors, est-ce que c'est. Et 2 minutes du coup. Est-ce que c'est ajusté, raffiné? Bien. Quand c'est l'heure du peuple, là, moi qui voulais aller rouler sur le circuit. Et qu'il est con.